Rebonjour, re-bienvenue sur Trackmania. Ça fait donc 3 pistes pour aujourd'hui pour moi. Donc on va enchaîner avec les suivantes. Donc dans la vidéo précédente, on a fait les pistes 15 à 17, pardon. Donc 15, 16, 17. Et on attaque la piste 18 de la campagne d'hiver 2021 parce qu'on est en retard. La campagne du printemps 2021 est sortie. Mais on va quand même finir celle de l'hiver 2021 parce que ce serait dommage de ne pas la finir. On l'a commencé, donc après tout, autant aller jusqu'au bout, et après, on essaiera de poursuivre l'effort et de faire la campagne du printemps 2021 et de la finir avant la prochaine campagne, si possible. Donc on découvre la piste 18. On a tapé un petit mur, mais c'est pas un souci, on va se rattraper. Ah oui, il y a des trucs pas beaux quand même que je vois à l'écran, mais au moins c'est fluide. Touché un petit paramètre par rapport à tout à l'heure. Bon, la piste a l'air assez agréable à rouler, pas trop de virages trop sinueux. Et là, on s'envole, propulseur haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wouah! Wouah! Ça, c'est énorme. Oh non, j'ai pris le mur juste avant l'arrivée. Quel dommage. C'était presque une médaille d'or dès le premier essai. A beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Oups, liberté de se prendre le mur, bien sûr. On pense médaille d'or, comme la dernière fois. On pense médaille d'or. Ok, tout va bien. En vérité, tout va bien. Pas la peine, encore une fois. les rappels d'usage. Hein. Plus pour moi-même que pour vous. On vise les médailles d'or, donc pas besoin de prendre tous les risques. Il suffit simplement de faire des courses plutôt propres. Et ça devrait passer sans trop de problèmes. Voilà, partie un tout petit peu délicate, mais si on reste assez droit, ça va. Ah oui, je suis pas resté assez haut. Ok, ok. Non, celle-là, normalement, ça va pas nous prendre un quart d'heure comme la piste 15. J'ai eu peur de me prendre l'obstacle, je me suis déconcentré. Ça a dû se lire sur mon visage, le doute, le oula, il y a eu un oula qui est passé dans ma tête et du coup j'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est peut-être mieux de passer à droite. Tac, voilà, comme ça, petit dérapage. On est déjà bien plus efficace. Ouais, le petit saut, peut-être que je devrais l'éviter. Il y a peut-être moyen de l'éviter justement. Tac, beau, oh, très beau virage là. J'ai pas lâché l'accélérateur, c'était très propre. Voilà, on reste bien haut. Nickel. On évite le mur qui est... Oh là là. On évite le mur. J'étais presque, enfin c'était propre, c'était bien. Mais ça c'est tout moi, je vais rater des trucs. Que je ne suis pas supposé rater. Des trucs que je suis très bien capable de réussir. Juste parce que je vais avoir un instant de doute. Qui va me faire faire des bêtises. Et je la sens bien cette piste là. Plutôt cool à rouler. Tac. Voilà, magnifique. Oui, bon, de l'autre côté c'était mieux, mais c'est pas grave. Oula. Je fais des acrobaties, c'est pour me réveiller. Et c'est pour vous montrer l'étendue de mes compétences, l'étendue de mon talent. Bon, on se concentre, on va quand même pas se planter à chaque fois au deuxième virage. C'est un peu la honte quand même. Voilà, ça c'est propre. Risque mesuré. Très bon virage ici. Ouais, j'ai encore sauté, c'est dommage, mais c'est pas grave. On est encore en avance, très largement. Voilà, très bien. J'ai un peu ralenti quand même. Et voilà, partie propulseur haut, assez agréable quand même celle-là. Dommage, oh. Plus haut, n'hésite pas à aller plus haut. Parce que là pour l'instant à chaque fois c'était trop bas quand j'ai raté l'anneau. Jamais trop haut, et pourtant j'ai peur d'aller trop haut.
Là, la peur est pas au bon endroit. Là, on peut passer à droite. Ouais, on a même pas perdu de vitesse. Ah, j'ai tourné trop tôt. Je me suis vu trop beau, là. Là, je pense pas à ces médailles d'or. Là, je me dis, ouais, je suis bien. Là, je peux faire de grosses améliorations. Et on voit que effectivement, il y a moyen de prendre des zones de façon assez rapide. Il y a des virages qui sont vachement agréables. Il faut que je pense plus aux médailles d'or. Voilà, on assure. Après, je pourrais améliorer mes chronos par la suite. C'est pas un problème. Voilà, voilà. Là, j'ai un peu ralenti. C'était cool. Voilà, ça, c'est pas mal non plus. J'ai touché un peu le mur, mais je pense que ça peut passer quand même. Ah, j'ai peut-être perdu un peu trop de vitesse là quand même. J'améliore encore, ok. Après médaille d'or, pas sûr qu'on l'ait quand même. Mais on va essayer. Voilà. Wouhou! Allez, bien haut. Voilà. Voilà, tu vois, c'était pas trop haut, Kev. Fallait pas avoir peur. 45-891, et voilà, médaille d'or même avec la petite erreur de tout à l'heure. Je me prends trop la tête. Vraiment, je me prends beaucoup trop la tête. Et première piste finie en 7 minutes à peu près. Moins de 7 minutes, je dirais. Donc voilà. j'avais eu un petit peu de mal pour la piste 15 quand même. Je pense que c'était normal. La dernière fois, bah, quand j'ai repris quoi. Quand j'ai repris, c'était un peu compliqué. Il m'a fallu à peu près deux fois plus de temps pour avoir la médaille d'or. Bon, après, elle était plus longue aussi, je crois, la piste 15. On finit celle-ci une première fois déjà, même si on a bien frôlé le mur. Oups, ah oui, d'accord, donc garage très serré ici, et de la glace en plus. Comment est-ce que... Ouais, ok, on va faire ça comme ça. Faisons ça comme ça. Partie délicate ici. Ensuite là, le virage. J'ai voulu déraper mais j'ai pas réussi, j'avais pas assez de vitesse. J'ai trop pris la bosse. Ah, j'ai peut-être vu un stream sur cette piste là. Enfin, j'ai vu quelqu'un rouler sur cette piste là. Ouais, là je suis pas concentré. Hein. Ouais, j'ai définitivement vu quelqu'un rouler sur cette piste là. Et la fin, je sais pas s'il y a moyen de prendre la fin. Ah non, ça c'est la fin, pardon. Ok. Bon, médaille de bronze quand même, voilà. À 10 secondes de la médaille d'argent. Ok. Donc un peu plus du... à peu près une minute pour cette piste-là, j'imagine. Médaille d'or, je pense que ça va être... ouais, à peu près une minute. Peut-être une minute genre 3, 2, un truc comme ça, quoi. Bref, il y a moyen. Il y a moyen d'aller assez vite. Voilà, on décélère un petit peu quand il y a besoin. Tac, gros dérapage, voilà. Ah, c'était pas mal ça. Ça, c'était pas trop mal négocié, attention. Ouais, j'avais peur de ça. Sur la glace, je vais pas faire des folies. Je vais rester assez simple. Oh là là, par contre, les dérapages dans la terre, c'est tellement agréable. Ok, le début est plutôt ok. Je me laisse un peu trop avoir par les boss. Ou alors je vais faire un grand saut pour aller de l'autre côté carrément. Histoire de passer la zone le plus vite possible. Parce que ralentir pour épouser la forme de la piste, je pense que ça fait perdre un peu plus de temps que de faire un petit saut comme ça. Genre comme ça, tac. Ouais, ça c'est pas mal. Youhou! Ok. On redresse un peu, voilà. Pas trop de folie et on gagne un temps fou, 10 secondes déjà. Rien qu'avec ça, je suis sur le rythme de la médaille d'or. D'argent, je veux dire. On va se calmer. Médaille d'or, on espère bien sûr, à terme, oui. Oula, j'ai failli faire une bêtise, je me suis un peu trop rapproché de la barrière. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, ah ouais, les petits murs là. Oh, c'est vicieux ça. Ça, c'est pas gentil, messieurs les développeurs, messieurs dames. Et la fin, tac. Ouais, pas mal du tout. Médaille d'argent et... ah, pas loin de la médaille d'or. Hein.
1 minute et 1 seconde pour la médaille d'or. J'étais pas si loin. Mais effectivement, le plus petit que j'ai dit, c'était 1 minute 02. Et si ça avait été vrai, bah je l'aurais eu cette médaille d'or. Donc il faut simplement améliorer. Eh bien, améliorons. Bah là, j'ai bien ralenti parce que j'ai eu bien peur de me taper la barrière. Wouhou, oula, wouhou, le gros dérapage. Je me suis vu un peu beau, là. Oui. Ok. Sachant qu'il y a pas mal d'endroits où on peut gagner du temps, ça va être assez intéressant de voir où est-ce qu'on va vraiment en gagner. Ouh lolo, j'en ai gagné beaucoup dès le début déjà, là. Donc si on soigne le début et qu'on soigne... Enfin, si on améliore le début et qu'on soigne la suite, ça passe. Déjà, le début est pas mal du tout. Une bonne amélioration. Oh là, j'étais un peu frileux, là. Oh non, taper la barrière en étant aussi peu rapide, quand même. Pas bien. Pas bien. On se reconcentre. On pense médaille d'or. En fait, là, je pense plus amélioration du chrono. Oula, j'étais bien lent sur le tout début, là. Ok, ça, c'est pas mal. Ouais, et peut-être une amélioration ici. Grosse amélioration, c'est très cool. Ok, peut-être un peu trop freiné, du coup. Du coup, je suis peut-être arrivé un peu trop vite. C'est possible. Bon, là, on voit que la médaille d'or, ça peut passer très largement. On améliore un tout petit peu le début. Ok, là, c'est pas mal du tout. Oh, j'ai bien ralenti. Oh, c'est bien, ça. Parce que du coup, ma trajectoire est bien meilleure sur la glace. Ça a été bien meilleur. J'ai gagné quasiment 2 secondes. J'ai pas assez redressé. J'aurais dû prendre un peu le temps de redresser. J'aurais certes perdu un petit peu de temps. Mais bon, là, se prendre carrément un obstacle, c'est perdre encore plus de temps. Donc, il fallait pas hésiter à ralentir, quoi. C'est bien, c'est bien. Les progrès sont très visibles. Pas mal, pas mal. C'est pas optimal, je pense, mais c'est pas mal. Ouh, j'ai pas assez freiné. Enfin, j'ai pas assez dérapé. En plus, je crois qu'il me manque vraiment pas grand-chose pour la médaille d'or. Il doit me manquer genre 3 dixièmes. 4, un truc comme ça. Entre 3 et 4. C'était 300 et quelques millièmes. Il me semble. Ça, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est... Après, j'ai eu un peu peur, donc j'étais un peu prudent. Ouais, le virage un peu serré, quand même. Voilà, ça, c'était pas mal. Ok, c'est pas mal. Oh, dommage. C'était propre, hein. C'était plutôt propre, en tout cas. Ok. Ah, j'ai pas perdu trop de vitesse, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien. Là, par contre, ce virage-là, là, l'épingle, je l'ai tellement bien prise. Là, c'était vraiment pas mal aussi. Il y a des gros progrès, là, j'ai un peu ralenti. Parce que j'ai pris peur, bien sûr. Ok, on réaccélère là. On n'hésite pas à redresser la trajectoire, voilà, ça c'est très bien. Oh, j'ai tapé la barrière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je l'ai tapé 2 fois, je me suis déconcentré. J'ai dit c'est pas grave, mais dans ma tête, j'étais en mode, recommence surtout pas, ce serait terrible. Et finalement, C'est la peur qui se réalise d'elle-même, en fait. C'est la peur de la peur qui fait que la peur se réalise. Ça
C'est la peur de voir un truc se réaliser qui fait que ce dont on a peur se réalise. Je redresse un petit peu là aussi peut-être. J'ai failli pas redresser assez, quasiment 3 secondes d'avance, ça c'est assez énorme. À tel point que j'ai failli ne pas ralentir derrière. Ok, là c'est pas mal. Là j'ai plus qu'à assurer, j'ai tellement d'avance sur mon chrono. Et sur la médaille d'or en plus. Voilà, tranquille. Voilà, j'aurais même pu me prendre le mur, ce serait passé quand même. Et ça passe très largement, super! Bien là, 57 secondes 915. Très très propre et on passe à la piste 20. On a fait deux pistes en l'espace de 16 minutes. Propre, hein? Propre. Let's go! Oh! Un mur. Là c'est un pas mur donc ça m'arrange. J'avoue que je préfère... Oula! Un peu plus droit Kev, ce sera mieux la prochaine fois. Ah, attendez, c'est pas facile ça. Faut épouser la pente, voilà. Très bien. J'aurais pu faire mieux que ça d'ailleurs. Ok. Ok, oh, ça c'était très bien. Attention à la glace ici. Faut aller le plus droit possible. Donc choisir la bonne trajectoire dès le début finalement. Ralenti. Je sais pas si on peut lifter ce ralenti là par contre. En tout cas, ça laisse le temps de voir la suite. Les petits coquins, ils mettent de la glace partout. Wouhou! On épouse la pente, magnifique. Beaucoup de petites pentes comme ça qui sont piégeuses. Et à fond les ballons droit devant vers l'arrivée. Je pense que ça va. Voilà, 49-451 alors que la médaille d'or est à 49 tout pile. Ça s'annonce plutôt bien. Ouais, le début, pas trop maîtrisé quand même. Un peu délicat le début. Oh là là, par contre, ça c'était très propre. Voilà, ah, ça c'était pas mal du tout. Je fallait passer un peu plus à droite. Ok. C'est bon, on a de l'avance, je crois. Tellement concentré que je sais même pas. Oui, oui, on a beaucoup d'avance. C'est même assez flagrant. Tellement propre quand ça se passe comme ça. Oh, ce virage était tellement beau. Pouah. Et ben voilà, quand on se prend pas trop la tête, on fait des trucs bien. Waouh. Il m'a fallu à peu près... Il m'a fallu 2 essais en fait pour l'avoir cette médaille d'or. Enfin, deux vrais essais quoi. Deux vrais essais. Et on passe aux pistes noires. Donc les 5 dernières de la campagne d'hiver 2021. Et là, ce sont des pistes de malade. Je vais galérer comme un malade et ce sera fini. Voilà, fin du rêve. Oula. Oula, déjà ça fait un peu peur, tous ces poteaux là. Ouais d'accord. Bon, c'est plus pour faire peur mais... En vérité, ça se fait tranquille. Waouh. Je me suis senti pousser des ailes, là j'ai fait un saut qui était très risqué mais c'est passé quand même. Ok, donc là déjà il y aura des petits sauts à faire pour gagner du temps. Ok, bon là c'est pareil, les poteaux c'est plus pour faire peur. Ouais, oh là là, cet instinct quoi. Cette connaissance du terrain quoi, cette déduction, cette connaissance du jeu finalement. Là il vient de faire un bon truc. Hein. Ouais, ah, là on peut passer carrément par l'intérieur, ouais d'accord. Là aussi peut-être. On pourra pas faire les deux intérieurs, je pense. Oula, attendez, je passe par où, là? Bing! Alors du coup, c'est par où qu'on passe qui... Droit devant, ça a l'air plus pratique. Ouais, d'accord, je vois la trajectoire. Donc vraiment, faut passer tout à droite à chaque fois. Ok. Ok. Médaille de bronze, logiquement. On n'a pas fait trop d'erreurs. Ok. Pas l'air si simple que ça quand même celle-là. Mais on voit quand même qu'il y a des petits trucs qui ont pas l'air trop... Alors, qui sont plutôt instinctifs on va dire.
Ah ouais, j'aurais plus, j'aurais dû aller plus franco là. Ok, donc là c'est pas tout de suite qu'on doit passer à l'intérieur. Là oui, c'est bon, c'est bien, c'est beau ça en plus. Tellement satisfaisant quand on fait des petits sauts aussi propres que ça. Des trucs bien fluides. Donc c'est là qu'on passe à l'intérieur. Je freinais même un petit peu quand même. Ouais, c'est... Ouais. C'est chaud quand même. Et donc là, après, on colle à droite. Avec le ralenti qui aide un petit peu. Et voilà, 51 secondes 610. Et c'est la médaille d'or. Ah, il y a écrit 21 sur le toit. C'est trop beau. C'est trop bien. Bah écoutez, je sais pas si ce sont les pistes qui sont plus simples ou moi qui me suis vraiment bien remis dans le bain, mais en tout cas, ça va plus vite que ce que j'espérais. Que ce que j'attendais. Bah tant mieux. Oui. Oh, fallait monter un petit peu plus, mais ça va. J'ai cru que c'était trop bas, vraiment. Ok, ok, ça c'est plutôt agréable. Ah. Ok, la tête à l'envers. Forcément, je vais pencher la tête beaucoup hein, dans ces machins-là. C'est instinctif, hein, je pense. Je sais pertinemment que ça ne m'aide pas à tourner mieux. C'est une roue libre, c'était une roue libre. Et on l'a passé. Ah, oh, il était chaud ce virage. Oh, il était méchant ce virage. Ah non, non, effectivement, il n'y a plus de... Ah, ok, c'est un peu délicat. Ah oui, parce qu'il y a une roue libre derrière, c'est ça. Ah d'accord, c'est ça. Il y avait un turbo éventuellement pour les gens qui étaient trop lents. Parce que là, la difficulté, c'est qu'il faut bien monter là pour... Voilà, redescendre comme ça, voilà. Et là, on peut réaccélérer. Sur la route, si possible. Wouhi! Oh là là, et puis voilà, la transition avec la terre et wouhi, on décolle. Cela pareil, ça va être assez agréable. Il y a peut-être un style de piste qui me correspond mieux. Hein. Les trucs très sinueux, très tordus, c'est peut-être pas mon truc. Hein. C'est vrai que je préfère quand on a de grands espaces pour rouler. En général. Pas forcément du full speed, mais... quand même qu'on ait des marges de manœuvre, quoi. Bon, là, c'était vraiment full speed quand même. Même si j'ai lâché l'accélérateur. Et ouais. Toujours envie de pencher la tête, c'est horrible. Alors, c'est quel virage qui m'a eu tout à l'heure? C'est celui-là, là, c'est celui qui vient. C'est le virage à gauche, là. Ouais, c'est bon, c'est passé. J'ai peut-être un peu... J'ai un peu assuré, d'ailleurs. Oh non, j'ai eu trop peur d'aller trop à droite. On a peur de faire une bêtise, et c'est en voulant l'éviter qu'on se dirige vers une autre bêtise. Alors pourtant, j'étais sur une très bonne run. On a le temps de la finir, cette piste-là. Limite, on peut finir sur celle-là, éventuellement. Vu qu'il en restera 3 derrière, ça fera une dernière vidéo pour cette campagne d'hiver 2021 qu'on aura enfin fini. Wouhou, je m'envole! Tu t'envoles. Pense médaille d'or. Wouhi! Tellement agréable par contre, wow! Trop agréable. Allez, j'annonce. Ce sera la dernière piste de cette vidéo. Allez, pas la peine de prendre de gros risques, tu assures. On assure. Surtout que les endroits où je me suis planté, c'était pas si dur que ça. C'est à moi de m'appliquer un peu plus. Voilà, on monte pas trop, on descend un peu plus vite, c'est bien.
on a le virage à gauche, le fameux qui arrive. Compliqué quand on a vraiment beaucoup de vitesse, celui-là. Après, même en l'ayant touché, est-ce que... Ouais, en roue libre, ça pardonne pas quand même, toucher les murs. Mais je sais pas. Après, la roue libre était même pas encore finie. Elle était presque, peut-être. Elle était presque, donc peut-être que j'aurais pu continuer quand même. J'essaierai peut-être. Parce qu'encore une fois, peut-être que j'essaie un peu trop fort pour la médaille d'or. Peut-être qu'avec une petite erreur comme ça, ça passe quand même. Voilà, là c'était très très propre. Voilà, j'ai... Allez, on réessaie vite. Ça peut peut-être passer quand même. En plus, c'était presque la fin, quoi. Est-ce que ça passe ou pas? Ça passe pas, et on est à... une seconde à peu près de la médaille d'or. Ok, donc si je me plante pas, je l'ai. Ah, quel dommage. Après, faut bien avoir... Bon, c'est un peu comme toutes les pistes, en fait. Faut bien garder en mémoire ce qu'il y a derrière. L'obstacle qu'on approche. Pour enchaîner de façon optimale. Pense plus médaille d'or, là. Tu frôles un peu trop les murs, là. Ok, t'es amélioré ton chrono, mais pense médaille d'or. Je veux trop m'envoler. Je veux me sentir tout puissant, je veux me sentir libre. Allez. Concentration. On ne parle presque plus. On penche la tête. J'ai failli m'envoler. Mais tout va bien. On est en roue libre. Ok, j'ai commencé à tourner un peu trop tôt pour ce virage là, voilà, c'est bon, ça passe. On se prend pas, j'ai, voilà, pareil que tout à l'heure mais l'inverse, j'avais peur d'être trop à gauche et du coup j'étais trop à droite. C'est le passage qui va me poser problème jusqu'à la fin. Après il suffit de le passer une fois et c'est bon, c'est la dernière difficulté de la piste en plus, hein. Et c'est pas si dur que ça avec de l'entraînement. C'est surtout que, ouais, il y a le virage à droite juste derrière l'espèce de looping. Ouais, j'ai pas redressé assez vite. On se reconcentre. Tu sais comment faire, alors fais-le. Je sais le faire, je vais le faire. Voilà. Ah, c'est quand même peinard, hein, avec la roue libre. Ça fait pas de bruit. Voilà. Oh, c'était bien ça. Bah, je me suis pas planté, c'est l'essentiel, hein. L'essentiel, c'était de pas se planter. Et voilà. 3 secondes d'avance, 3 secondes 241. Et la médaille d'or est obtenue au la main. Voilà qui est très beau. Ah, c'est bien ça. Donc on a fait quand même... Donc là ce matin j'ai fait... J'ai fait 8 pistes en tout, c'est cool ça. Et on en a fait 5 aujourd'hui. Enfin aujourd'hui je veux dire 5 dans cette vidéo là. Ouais. Bah, dis donc les 15, 16 et 17 j'avais vraiment galéré quoi. Surtout pour la 15 en fait. Qui était pas si dur que ça. Je venais de me réveiller, là c'est bon. Là comme j'ai dit, hein, j'ai pris le petit déj, je me suis lavé, habillé, coiffé. Là du coup j'étais bien réveillé, c'était cool, voilà. Comme quoi être réveillé c'est bien, c'est cool quoi, c'est utile. Donc il nous reste 3 pistes. On a un petit aperçu là, ouh là là, il y a de la glace, ouh là là. Ouais, ça fait plus peur que, ouais, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc on pourra bientôt passer à la campagne du printemps sur Trackmania, mesdames et messieurs. Fantastique,
Donc on va se quitter là-dessus et on se retrouve très bientôt pour finir cette campagne d'hiver 2021 pour enchaîner très vite derrière avec la campagne du printemps 2021. Des bisous, à la prochaine sur Trackmania.